You have seen into the depths. Your gaze has plunged deeper still. You have seen my body, the human body, the body that belongs to no one, the everybody. You have seen that I have had the same body for 100,000 years. Yet from now on, the permanence of the body given unconditionally to each of the 80 billion humans who preceded us is no longer guaranteed to those who will follow. A method of selection is taking over. Artificial selection, erratic yet planned, customized yet blind. Every day, humankind learns a little more about how to blend characteristics of one species into the genetic heritage of another. Goats are cloned with genes from humans and spiders so that a strong thread can be extracted from their milk. We produce transgenic pigs with humanized vital organs like this heart, beating in the neck of a goat, waiting to be transplanted. We manufacture strange mice sporting human ears on their backs. We produce headless frogs, precursors, according to their creator, of future headless humans intended as organ banks. We've even begun artificial gestation in goats. A prelude to the possible end to childbirth. In this patchwork quilt of life forms and conditions of life, whose effects no one can anticipate, some humans are on the brink of escaping their humanity, of changing bodies, even cloning themselves. Oui au clonage humain, parce que ça fait 2 ans qu'on en entend parler. Et si tout ce qu'on imagine peut être réalisable, c'est que nous sommes des dieux. Ce n'est pas une impossibilité technique qui empêchera que l'homme et les femmes utilisent le clonage pour faire des bébés. S'ils décident de ne pas le faire, c'est que moralement, ils auront décidé que c'était illégitime. Bien sûr, on a mis des interdits sur le clonage, on a mis des interdits sur les manipulations génétiques, qui sont les deux techniques qui permettrait d'intervenir le plus directement sur les générations suivantes. Mais combien de temps ces interdits, qui ne sont qu'européens au demeurant, vont-ils demeurer? C'est à peu près indécidable. Il me semble qu'il y a 20 ans, tous les gens qui parlaient de la question avaient tous lu « Le meilleur des mondes » de Huxley et étaient tous tacitement d'accord sur l'idée qu'il faut que c'est l'enfer qu'on est en train de préparer. La science ne peut pas s'arrêter. La science est ma religion, c'est la religion de tous les Raéliens. On est là pour la défendre et faire en sorte que l'humanité s'en serve. Le public est fasciné, mais le public ressent aussi qu'il se passe quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'on en raconte et qui fait peur. Ce qu'il y a derrière toutes ces innovations, c'est la recherche du paradis sur Terre. C'est la recherche de l'immortalité, le vieux rêve d'immortalité des êtres humains qui s'est aplati, si j'ose dire, qui était autrefois vertical. Les gens tournaient leur regard vers le ciel, vers la transcendance, et aujourd'hui, la transcendance est en avant. Elle est un résultat du progrès. Bioscience, considered the pinnacle of progress, is a religion for the Raelians. In Montreal in 1999, they held the first international conference in favor of human cloning. The conference, entitled Science Makes Eternal Life Attainable, attracted some 800 people, clearly delighted with the idea of self-duplication.
Bonsoir à tous. Le clonage et les techniques qui en découlent nous permettront d'avoir la vie éternelle. I'm a Christian, I'm a Methodist, I believe in God, I believe in heaven and hell. And I have a terrible conflict because I really don't want to die. Ne plus mourir, est-ce qu'il y a une meilleure nouvelle que ça? This is a picture from the future, not from the past. It's a picture of my unborn twin brother. And those people who oppose human cloning are the real moral monsters because they would deny this little boy. We are fighting for freedom to have children, our own children, without involving the genes of others, without involving especially the genes of strangers. The Raelians believe that human beings are manufactured by aliens in laboratories, and that cloning and the transfer of memory and personality will allow humans to wake up after death in a new body. They've even set up a company in the Bahamas called Valiant Venture, which offers cloning insurance. Dr. Richard Seed, a physicist from Chicago, claims that he will create the first human clone, then set up a clinic to produce hundreds of cloned babies every year. In March 1999, he gave a talk in favor of human cloning to the Royal Society in London, England. Cloning is just making cute little babies. It's not making monsters, it's making cute little lovable babies who are desired. Je suis surpris que le Dr. Seed ait été invité par une institution aussi prestigieuse. Et je suis surpris qu'on accorde au fond un tel crédit à ses propos. À la fois sur son programme, dont il nous annonçait il y a un an qu'il était destiné à aboutir à un résultat dans les trois mois qui suivaient, on n'a rien vu venir. Et ce projet de faire 200 clones par an ou quelque chose comme ça, tout ceci ne me paraît pas extrêmement sérieux et il me paraît encore moins sérieux d'affirmer que nous sommes égaux à des dieux. I'm racing to make the first human clone. I want the fame. I'll give you the fortune. I want the fame. No. I'm already famous actually, just for pretending I'm going to make a human clone. A Christian website promotes cloning Jesus from DNA extracted from the Shroud of Turin to speed up the second coming of Christ on Earth. In 1998, polls indicated that 7% of Americans would willingly clone themselves. In South Korea, thousands of miles away, an announcement a few weeks ago suddenly brought the prospect of a cloned child a step nearer reality. The breakthrough came not in a high-tech laboratory, but in a small fertility clinic in the Korean capital, Seoul. Doctors there claimed they'd cloned the first human embryo. The world was shocked. The experiment caused a wave of international concern. In Korea, human cloning isn't banned, but protesters from many civic groups took to the streets. Do you think one day we will see a baby actually born who's a clone? How soon? How soon? Much sooner than you think. Cloning is one of the great myths that has dwelt in human imagination and surfaced in many cultures over thousands of years. Take the familiar myth of a father god who created Adam in his own image, then used a Holy Spirit to conceive a son with a virgin, a son who, with 12 other men, would beget an institution which oddly became known as Our Holy Mother, the Church. Nowadays, we seem to want to incarnate these myths of eternity and omnipotence in living flesh. We're dazzled by the idea of human clones, new and improved, reproducing asexually, replicating forever. But the major issues are kept out of the spotlight. The cloning for profit of human embryo laboratories and calibrated factory animals, the unlimited reproduction of living merchandise.
What has inspired this reconfiguration of life? What outlandish scientific fantasies? What economic factors? For Monette Vaquin, it's not unlike the modern creation myth of Dr. Frankenstein, whose quest for the origin of life led him to try to create a copy of himself. Au début de mon travail sur la procréation artificielle, sur l'artificialisation de la reproduction, j'ai été très frappée par le fait que toutes les techniques mises en œuvre réalisaient un à un les fantasmes enfantins ou les récits mythologiques relatifs à l'origine et dont la fonction est d'arracher notre origine à la réalité de ce qu'elle est, c'est-à-dire que nous sommes ancrés dans le sexuel, dans la sexualité, et nous sommes ancrés dans la différence des sexes et la différence des générations. Nous naissons dans la différence. Je crois que c'est très important. Nous naissons au carrefour de ces deux différences qui nous imposent et notre identification humaine et probablement qui sont à la source de toutes les lois d'altérité. Interestingly, two of the key players in reproductive technology in France both published novels on cloning in 1999. Professor Claude Sureau, former president of the International Federation of Obstetrics and Gynecology, and biologist Jacques Testard, a pioneer in vitro fertilization. Maybe the complex issues of these supposed innovations, which may soon put us on the sidelines, can only be deciphered in fiction. Nous sommes à la veille ou à l'avant-veille du clonage. Et manifestement, dans ce livre, vous semblez défendre d'ailleurs que ce n'est pas plus mal. Ah non. Grande objection. Non, je ne défends pas du tout l'idée du clonage. Two rabbits, taxi drivers named Charybdis and Scylla, talk as they drive the heroine Alice around Paris. The rabbits are clones, absolutely identical and yet very different. One believes in science, the other doesn't. They talk about everything, from cloning, gene therapy, and in vitro fertilization, to the origins of life. Je suis contre pour deux raisons essentielles. La première, c'est que les risques ne sont absolument pas évalués. Alors voilà un problème qui s'intègre dans le concept très général de principe de précaution. C'est-à-dire que on va mettre en œuvre, peut-être chez l'homme, peut-être le docteur Seed demain, on va mettre en œuvre une modification dont nous ne mesurons absolument pas les conséquences à N générations. C'est donc une responsabilité absolument majeure. Et c'est pour cette raison que je suis contre. Premier point. Et la deuxième raison est que le clonage expose à, comment dirais-je, à une confusion des générations. J'aime pas bien la fiction, mais enfin, je suis obligé de prévoir l'avenir, évidemment. C'est la découverte par une fille qui vit dans une trentaine d'années qu'elle est le clone, finalement, de sa mère, que son père était un biologiste de fécondation in vitro, et qui, voyant son couple se dégrader, s'est mis dans la tête de recréer des conditions idéales de nouvelles rencontres des deux mêmes qui s'étaient rencontrés, parce qu'ils pensent, comme beaucoup de gens le pensent souvent, qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire et qu'on a gâché la chance. Donc il veut recréer, par les moyens qu'il a, c'est-à-dire à partir des gamètes, il se clone lui-même, il clone son épouse, pour redonner une chance à l'amour. Donc il clone l'amour, finalement. Enfin, il essaye. An only child drowns in a well. The parents save and freeze a finger and want to have a clone. After an emotional media campaign, they obtain an exception to the law banning human cloning, and with it, the implicit approbation of the authorities. An Asian industrialist has 12 clones of himself made in order to name each one after one of his companies. Other men secretly have their clones implanted in their wives by gynecologists whose silence has been bought. C'est pas vraiment un roman sur le clonage. C'est plutôt un roman prospectif sur le devenir de l'espèce et sur l'exécution des fantasmes. Parce que depuis que je fais de la FIV, enfin très peu après avoir commencé, mais juste après avoir réussi, il y a donc une quinzaine d'années,
Je suis persuadé que l'avenir de la FIV, de la fécondation in vitro, c'est la qualité. Et c'est plus forcément pour traiter la stérilité que la procréation assistée va intervenir, mais c'est pour apporter le plus qui serait de prévoir et de promettre et d'assurer une certaine qualité d'enfant. Donc déjà d'essayer de maîtriser la stérilité en faisant en sorte que des couples dits stériles deviennent des couples féconds, mais beaucoup plus loin, maîtriser la qualité humaine. On sélectionne dans des cahiers, avec maintenant même les photos des gens dans certaines agences, les caractéristiques des donneurs. On peut par exemple avoir caucasien ou non caucasien, la nationalité, la couleur de la peau, la religion, la scolarité, la taille, le poids, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la texture des cheveux, les hobbies. On voit à quel point il y a génétisation du discours social. Et peut-être serez-vous vous-même appelé, d'ici peu, à donner votre sperme via des annonces dans les journaux universitaires, comme on en a vu depuis des années au Québec, ou comme on en voit à Toronto ou aux États-Unis, où on assiste à la prolifération des egg hunters, joli terme ça aussi, les chasseurs d'œufs, qui cherchent des jeunes filles blondes aux yeux bleus de préférence, hein? Ça vous rappelle pas quelque chose? Le nordique, c'est le bijou de la terre, le représentant le plus brillant de la joie de la création. Il n'est pas uniquement le plus doué, mais aussi le plus beau. Ses cheveux sont blonds, ses yeux sont clairs et victorieux. When we think of eugenics in the 20th century, we automatically turn to the Holocaust and Hitler's attempt with the Third Reich to create the master race, the blonde hair, blue-eyed Aryan race who would rule the world, and all the tragedy that came from that. Is there a new eugenics afoot with this new biotech revolution? Absolutely. Does it have anything to do with Nazi Germany? No. And that's why the public is, if you will, unaware, because we're looking out the wrong door. The eugenics of forced sterilization and the extermination of millions of people by the Nazis is nothing like today's eugenics, personal, market-driven, and insidiously permeating our society. Yet Nazi eugenics had another aspect, the controlled population growth of children with specific features. This led to the abduction and forced Germanization of children from Eastern Europe, and to the production of the Führer's children, the Lebensborn policy. Que chaque responsable SS ne perde pas de vue que la construction de la future Allemagne sera possible pour des centaines et des milliers d'années, à moins que chacun de nous ne soit prêt à accomplir son devoir. Ce sera un devoir d'honneur pour chaque Führer SS de devenir membre de l'organisation Lebensborn. It's estimated that nearly 200,000 children, mostly from Poland, were taken from their parents and given to German families. During the same period, selected SS soldiers and German women with the desired Aryan features produced some 12,000 children, most of them intended for adoption. What could have induced so many people to conceive custom-made babies to be given away, never to know where they came from? Perhaps in this war-torn country where everything was in short supply, including men, it was the comfort of the Lebensborn, where the women lived during pregnancy and delivery. Perhaps it was Nazi domination, fear, or restrictions on abortion. It may have been propaganda on racial purity, or even on the joys of giving birth. One thing is certain, now that buying and selling eggs and sperm is commonplace, along with paid surrogates and sex selection, and as research continues into cloning and genetically improved children, echoes of a production line of child objects in the not-so-distant past are disturbing. What's happened is the new eugenics is a stealth eugenics. It came in the back door, we weren't looking. It's coming in a friendly guise this time. There's no wild-eyed demagogues pushing us into a brave new world, quite the contrary. Life science companies are saying to us consumers, don't you want a healthy baby? It's friendly eugenics, and it's so banal and market-driven that we are all asleep at the wheel here, all of us. C'est une question pour moi que de voir des médecins et des scientifiques nés pendant la guerre ou dans l'immédiate après-guerre
qui ont été pour la plupart des militants antifascistes, donner au monde et au rebours de leurs idéaux les plus précieux, les outils de l'eugénisme au-delà des rêves hitlériens les plus fous. We ought to take a hard look at eugenics. We're not doing it. We're looking at genetically engineered foods. We're looking at environmental issues. But right now, we've got to turn our attention equally, with a very informed public debate, on the eugenics implications, or we may find ourselves, gene by gene, moving into the brave new world that Aldous Huxley warned us about in 1932 when he wrote his book, Brave New World. The new eugenics has already embarked on a potentially hazardous journey into the unknown. In 1999, the government of Iceland negotiated a 12-year monopoly on access to its population's gene pool with a private company. To profit from the phenomenal cross-referenced medical, genealogical, and genetic data, Decode Genetics linked up with Hoffman LaRoche, which has invested $200 million over 5 years to develop new tests and drugs. This raises concerns about confidentiality and the commercial misuse of such genetic data. Je suis tout à fait opposé, je considère que c'est parfaitement scandaleux. Parfaitement scandaleux. On se trouve avec deux forces en présence qui fondent notre société et qui ne sont pas des forces récentes, qui sont les forces de la recherche académique, de la tradition de la relation médecin-malade médicale, et puis les forces économiques, les forces du marché. Et on a été avec ces deux motivations. Et le moment à partir duquel on se rend compte que la motivation humaniste, l'idéal de la recherche académique, cesse totalement, au point que toute la diversité génétique devient sous contrat, confisquée dans son utilisation au profit d'une entreprise privée, c'est quelque chose qui est parfaitement choquant, car c'est d'une certaine manière la négation de la dimension humaniste du projet, et c'est également, d'une certaine manière également par rapport au peuple à qui on a présenté ce projet, une forme de tromperie. Et j'espère qu'à partir de cette expérience de l'Islande, il y aura, et il y a, un mouvement important international, ça ne se reproduira plus. C'est-à-dire que j'espère que les pays se donneront les moyens d'empêcher totalement cela. Depuis 2 ans, je croise des gens qui viennent me voir en disant « J'ai envie d'avoir un enfant ». Des parents, donc un couple généralement, un couple hétérosexuel, parfois quelques homosexuels, je dirais 80%, ce sont des parents et des couples qui pourraient être dans cette salle, et puis qui disent « ça fait 15 ans que l'on court dans toutes les cliniques de fécondation in vitro, nous sommes stériles, il n'y a apparemment aucune possibilité pour nous d'avoir des enfants, nous aimerions avoir un enfant avec nos propres gènes ». Le désir d'enfant a été un formidable prétexte. Un alibi indiscutable, parce que quoi de plus émouvant et quoi de plus légitime, naturellement, que de vouloir pallier aux stérilités. L'infertilité n'est certainement pas le problème numéro un de la planète, c'est au contraire la surpopulation. Aucune génération avant nous, par exemple, n'a eu le pouvoir de stocker sa descendance, de la congeler, d'en modifier les caractères. Et je crois qu'on est là face à quelque chose qui arrive dans la civilisation tout entière, qui va bien au-delà que le simple traitement des stérilités tubaires. Le fait que l'homme et la femme soient capables de transmettre leur amour, leur valeur, le plaisir qu'ils ont, étant ensemble, d'élever un enfant ensemble, qui fonde une des particularités tout de même de la paternité et de la maternité humaine, possibilité que n'ont pas les autres espèces animales, est considéré comme ne méritant plus le nom de parentalité. Et par conséquent, ça a amené à une espèce de tolérance par rapport à un intégrisme. Tous les risques, pour l'enfant avant tout, peuvent être pris à partir du moment où c'est pour avoir l'enfant biologique. On a l'impression que l'homme et la femme aujourd'hui se demandent, dans cette société mondialisée, où il n'y a plus qu'une idéologie, qu'un système économique,
qu'une manière de manger dans les Wimpy's et dans les McDonald's, où de toute façon, on dit la même chose, on présente la même chose, on aime la même chose, entre Québec, le Nigeria, les États-Unis, la France et l'Italie. Les hommes et les femmes se demandent dès lors ce qu'ils sont bien capables de transmettre à leurs enfants, puisqu'ils ne peuvent plus transmettre l'originalité de leur culture, elle est propriété commune, s'ils ne transmettent plus leur sang et leur gène. Sur une scène, on voit en effet des enfants issus de couples stériles, des couples stériles heureux d'avoir le bonheur d'être parents, que dire. Mais c'est vraiment être de mauvaise foi aujourd'hui de prétendre nier qu'il y a aussi une autre scène. Une scène sur laquelle la médecine s'accapare, enfin s'approprie l'ensemble du vivant, maîtrise la descendance, trace les bases d'un eugénisme d'un nouveau genre et dont l'amplitude pourrait être tout à fait démesurée, sans mesure, et que on a le sentiment que c'est d'une mutation de l'humanité qu'il s'agit. Alors le discours candide, incarné par le discours de la bioéthique, ne rend aucune justice à cette deuxième scène, fait comme s'il n'y en avait qu'une. Ça donne une impression ou de mensonge complice, ou de mauvaise foi, ou de candeur inexplicable. En tout cas, j'ai pour ma part le sentiment que rien n'est pensable à partir de ce discours qui fait mal aux dents à force de guimauve. Down through the ages, each child has been anchored in time, conceived by both sexes in a generational line. But this line is unraveling, and with it our sense of connectedness, of limits, our most fundamental reference points. The moment that medicine, swathed in good intentions and inspired by animal reproductive techniques, began to consider infertility not as a condition demanding treatment, but as an explicit demand for babies, its meaning and even its purpose began to change, as did what it means to be human. Reducing a parent to egg or sperm, conceiving a baby from two females, duplicating eggs, mass-producing and storing embryos, sorting them genetically and cloning them, transforms this medicine into a factory of life forms. Some will be born, others will remain nothing more than lab specimens. Bit by bit, cells, genes, eggs, sperm, embryos, humans are becoming commodities, subject to unprecedented engineering and experimentation. On joue à l'apprenti sorcier. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, toute l'histoire des technologies de la fécondation in vitro sont une succession, je réutiliserai le terme, de coups d'état biologiques, dans la mesure où même la petite Louise Brown, il y a 20 ans, est née alors qu'il y avait très peu d'expériences réalisées chez l'animal. Et depuis, il y a des grandes étapes de la fécondation in vitro, comme la congélation des embryons, comme l'ICSI, comme l'injection de cellules immatures, qui correspondent toujours à des émergences technologiques qui ne sont pas précédées ni par un débat, ni par une réflexion de biologie ou de génétique approfondie, ni par une expérimentation chez l'animal. J'ai écrit un article qui comparait le coût d'une expérience fictive. Enfin, c'était en gros récupérer des ovules avec une stimulation hormonale. Combien ça pouvait coûter chez la souris, chez le singe et chez la femme? Et qu'est-ce que ça pouvait rapporter? La souris n'avait à peu près aucun intérêt. Le singe coûtait horriblement cher pour un rendement, je veux dire, pour la notoriété, pour le confort de l'expérimentateur qui était nul, alors que dans l'espèce humaine, il y avait tous les avantages, parce que l'animalerie, ça s'appelle un hôpital, les animaliers, ça s'appelle des infirmières, les produits sont donnés par l'industrie. Chaque fois, les gens vous donnent des informations que les animaux ne donnent pas. Ils se nourrissent eux-mêmes, ils se débrouillent. Donc, il n'y a quasiment pas de coût, voire il y a des cadeaux de l'industrie. Il y a les voyages après, il y a les congrès. Il y a forcément des articles scientifiques qui passent plus facilement dans des revues médicales que si on a travaillé sur la souris ou même sur le singe. Donc, ça a tous les intérêts. N'attendons pas qu'il y ait une catastrophe pour qu'une réglementation se mette en place. Anticipons les problèmes. Réfléchissons, débattons des problèmes et prenons la décision de développer les technologies que lorsque ce débat eut lieu avec
tous les acteurs de la société, aussi bien, je dirais, les citoyens que les biologistes, les cliniciens, les épidémiologistes, etc. Vous écriviez déjà en 1992 qu'il y avait véritablement une mutation de l'espèce humaine qui était en train de s'opérer. Quels sont les principaux moments pour vous ? Moi, je pense, tel que je l'ai connu, je crois que vraiment que ça a commencé là, à devenir quelque chose d'assez gros, c'est dans les années 70, c'est l'extraction de l'ovule hors du corps de la femme. Je crois que c'est ça qui est fondamental. L'ovule étant la cellule la plus précieuse dans cette affaire-là, c'est la clé. Il faut produire beaucoup d'ovules si on veut continuer, si on veut aller plus loin. On ne peut pas ne pas penser qu'il ne s'agisse là d'une extraordinaire rupture dans les identifications humaines. Qui passe par le... Enfin, quelque chose à quoi je suis, pour ma part, de plus en plus attachée, à une expérimentation généralisée, de nature perverse, faite sur les générations futures, dont d'autres que nous paieront l'inévitable prix psychique. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est que le droit à l'enfant ait pris le pas sur le respect de l'enfant, le respect de l'indéterminé pour l'enfant, le respect des générations qui nous suivent. Alors ça culmine évidemment avec le clonage. Every parent wants the best for their child, but once we begin to see our child as a program, once we begin to see our child as the ultimate shopping experience in a postmodern world, this changes the parent-child bond fundamentally. The parent becomes the architect, the engineer, the eugenics advocate. The child becomes their design principal, their product. What parent's wise enough and smart enough and clairvoyant enough to be able to program the traits of their own child? And what if that child grows up and didn't like the traits he or she was provided? This isn't a gift or a blessing anymore. This is a product. What does it say to the child about the kind of traits the parent wanted the child to have? And what about the child who isn't genetically programmed because the parents chose not to? Is it possible that the parent, if the child grows up with, quote, a disease or dies an early death, could the parents be held liable for child abuse in the womb? Me suis efforcée, par exemple, de repérer quels étaient les liens de filiation dans lesquels on mettrait un enfant qui serait, par exemple, le clone de son père. On peut peut-être l'examiner, ça donne la mesure de ce que le sacré absolu attaché à l'obligation de responsabilité auprès de l'enfant est disloqué et pulvérisé. Un enfant cloné serait le fils et le jumeau de son père. Il serait le fils et l'époux de sa mère. De ses grands-parents, il serait le petit-fils et le fils. Il serait le père de ses frères, il serait le frère de sa tante, et le grand-père de ses enfants, etc. Vous voyez qu'on a l'esprit qui s'y brouille. À la naissance d'un tel enfant, sa grand-mère, qu'est-ce qu'elle voit ? Elle voit un enfant neuf, jamais venu au monde, ou elle voit l'enfant qu'elle a eu elle-même, 30 ans auparavant. Quand cet enfant a 20 ans, que voit sa mère ? Elle voit son fils devenant jeune homme et destiné à la quitter pour d'autres liens d'amour, où elle voit l'homme qu'elle a épousé, aimé et épousé 20 ans auparavant. Vous le voyez, ça affecte non seulement tous les liens et tous les repères de filiation, mais jusqu'au temps lui-même. Le temps patine, la génération se répète, elle ne descend plus comme c'est son sens normal. Alors qu'on soit prêt, qu'on soit sur le seuil de faire subir à un enfant, de mettre un enfant dans une telle situation, je crois que d'abord que c'est un symptôme de folie, que c'est une volonté expérimentale monstrueuse, au sens où il s'agit d'expérimenter sur autrui nos enfants et les générations futures, ce qui vient tout droit de nos problématiques inconscientes. But if we begin to see all children as perfectible, are we going to be more or less tolerant of that child that doesn't come up to grade? I suspect we'll begin to look at each child as an engineered proposition and say, that child has a defective gene. That child was an error. There's a mistake in that child's code. Should have been corrected.
If we lose empathy, our ability to feel the humanity of each other, that is such a great loss that any short-term benefits in genetic engineering are canceled by that. Because without empathy, we can't maintain culture and civilization. Using the desire for a child of one's own as a smokescreen, research into human cloning masks financial and scientific interests in the lucrative fields of patents and the cloning of transgenic animals and human embryos. In the name of health and medical research, scientists are creating new life forms, notably cloned human embryos, intended for research and industrial breeding. The real story here, from a business point of view, Dr. Willman's experiments, and later the experiments in Hawaii with the mice and the cows in Japan, what they did is they provided the prototype for bioindustrial design, as important as the assembly line was for Henry Ford. The second sheep for Dr. Willman, Polly, is much more important than the first sheep, Dolly. With Polly, they took a human gene, micro-injected it into an adult cell, then clothed the animal with a human gene replicating in the body. What they've been able to demonstrate now is that you can both customize and then mass produce identical copies of a living original with the same quality controls, engineering standards we applied to mass production of petrochemical products in the early part of the 20th century. Though we are usually quick to defend our identity, language, culture, and environment, we are now slowly, blindly, slipping away from ourselves. We're losing our footing, losing body and soul. Dazzled by the prospect of guaranteed health, longer life, and perfect children, we're beginning to alter our species. Science's quest for knowledge and excellence, industry's lust for money and power, and the indifference of nations. Are these signposts on humanity's road to oblivion? Before we too end up on the endangered species list, shouldn't we examine the origin of such excess and reflect on where it's leading? Il y a bien une déclaration de l'UNESCO qui interdit les manipulations germinales, mais ça n'est qu'une déclaration. Et manifestement, les grands pays qui sont capables de faire ces manipulations ne mettent pas ça dans leur législation intérieure. Donc on peut estimer que ça sautera dans les années à venir et que là, on aura... Tout sera organisé, en fait, aussi bien les concepts que les techniques, pour véritablement maîtriser la production d'une génération par la génération qui la fabrique. For 20 years, in my debates with scientists, they said, Mr. Rifkin, you're creating a false alarm here, because we would never allow human cloning. Well, now the cloning is here. In the United States, the Republicans attempted to pass a bill in the U.S. Congress that would prevent the cloning of human embryos and human beings, a very limited bill, didn't relate to other forms of cloning. Congress turned it down because the Biotech Association, the Democrats, and the White House lined up. Even though President Clinton asked for a ban on human cloning, the Democrats later lined up and said no to the ban. Europe did ban human cloning. They did the right thing. I don't know what Canada did. Nothing. Nothing. So far. Nothing. Terrible. La violence de l'interdit du clonage avisé reproductive vient très certainement de cette volonté de montrer qu'on met une limite quelque part, mais pour quelque chose qui n'a un intérêt économique que très médiocre, et ce qui permet de libérer au contraire la production, de demander la libération, si vous voulez, de la production d'embryons à des fins thérapeutiques, donc industrielles, où là les enjeux économiques sont considérables. Donc c'est du donnant-donnant. On vous donne un interdit d'un côté et vous nous donnez une permission de l'autre. Quand on dit clonage à visée thérapeutique ou clonage non reproductif, on a l'air d'oublier, on n'envisage que la fin, on n'envisage que le but, qui est soit avoir un individu, soit avoir des cellules, des lignées cellulaires utilisables en thérapeutique humaine, et on omet le début,
qui est que l'on parte d'un embryon ou de quelque chose qui ressemble ou de quelqu'un qui ressemble à un embryon. Bon. Donc là, il y a un problème métaphysique, en fond. Si cet embryon a une âme, que fait-on de son âme? Ça pose un même problème sérieux. Même problème que vous semblez avoir tous résolu relativement aisément. Alors, sur ce point-là, donc, je suis d'accord avec vous. Ils l'ont dit clairement, le comité national d'éthique l'a dit clairement, c'est pour éviter d'avoir à acheter les cellules en question aux États-Unis. Et ça coûtera très cher, donc il faut le faire en France. C'est aussi simple que ça, c'est marchand comme attitude, nous sommes bien d'accord. Le fait qu'il y ait des embryons déjà disponibles, congelés, le fait qu'on pourrait éventuellement en fabriquer, et une poussée actuelle dans le cadre de la révision de la loi pour dire on ne peut pas interdire la recherche sur l'embryon, parce que grâce à cette recherche, on va produire des cellules souches qui vont guérir des gens, thérapie cellulaire, gna gna gna. Mais ce qui est extraordinaire, ce qu'on court-circuite complètement, c'est qu'il n'y a rien en recherche animale qui permette de justifier cette hypothèse. La faisabilité de cette thérapie cellulaire n'a jamais été montrée. De la fécondation in vitro, on peut tirer des enseignements, des erreurs, des expériences du passé dans le domaine du médicament. Et un des grands enseignements dans le domaine du médicament, d'ailleurs comme dans le domaine des organismes génétiquement modifiés ou de la radioactivité, etc., c'est que la société a tiré la conclusion que les acteurs de la technique ne peuvent pas être jugés partis. Ils ne peuvent pas à la fois promouvoir la technique et juger de ses dangers ou de pas ses dangers. Ça fait 27 ans que je parle du clonage. Il n'y avait pas de Dolly. Il n'y avait rien. Et quand je parlais du clonage, les gens riaient. Les gens riaient. C'est une folie. Puis un jour, je regardais la télé et j'ai vu un petit mouton. Et je dis, ah. Pff, c'était long quand même. C'était long, mais ça arrive. Tout ce que j'ai écrit arrive. Certains gouvernements, des gens bien pensants, des comités de bioéthique et tous les tic-éthiques, etc., disent gentiment qu'il faut arrêter. Vous ne pourrez pas empêcher un scientifique de comprendre ce que cette molécule a exprimé. Les savants disent, quand on leur pose des questions sur leur responsabilité, oui, oui, il y a des limites qu'il faudrait imposer à ce qu'on fait, mais cette question des limites relève des éthiciens. Les éthiciens s'en emparent de la question puisqu'elle leur permet de gagner leur vie. Mais pour dire, écoutez, de toute façon, nous ne comprenons pas tout. C'est sûr qu'il faut imposer des limites, mais il faut y aller avec prudence. Il faut d'abord comprendre ce que les savants font. Alors, moi, je dis aux savants, arrêtez de vous départir de vos responsabilités face au public en les reportant sur les éthiciens. C'est vous qui les avez, les responsabilités. Et à tout prendre, j'aime mieux m'en remettre d'ailleurs aux savants sur ces questions-là qu'à ces colporteurs qu'on appelle les éthiciens. Je suis persuadé que quel que soit les systèmes de contrôle qu'on prétend créer, même avec la loi, les choses qu'on a décrites tout à l'heure arriveront. Elles arriveront parce que les gens évoluent. Moi, j'ai une conception de l'éthique, toujours en tant que spectateur, je ne dis pas que je suis pour, je le regrette, mais je vois que l'éthique, c'est simplement un système pour accommoder la nouveauté, la modernité, à un état de conscience, à un état d'acceptation des populations, et pour éviter les trop grands décalages qui font violence. C'est-à-dire qu'on dit éthiquement, c'est pas bien, d'ailleurs on ajoute souvent, en l'état actuel des connaissances et des techniques, et on pourrait dire aussi, et du niveau de conscience de la population. Et puis, si ça change, si les techniques sont moins violentes, marchent mieux, alors on peut s'accommoder. Autrement dit, c'est simplement une façon de retarder ce qu'on appelle le progrès, entre guillemets, mais on va l'avaler quand même, au bout du compte. On va avaler la pilule, mais de façon qui sera moins violente. Et est-ce que ce n'est pas une couleuvre, cette... Si, c'est une pilule et une couleuvre à la fois. C'est l'extraordinaire, je dirais, créativité technique qui a été récupérée par les capitaux privés, dans les laboratoires privés, et qui fait qu'on est dans une situation, à mon avis, relativement nouvelle. Et dont les conséquences, vous les connaissez comme moi, cette chose ahurissante, c'est que le vivant est en train, le vivant, la vie qui, en matière juridique, dans des tas de niveaux philosophiques, était élémentairement appartenait à tous, est en train de se faire approprier. Je crois que depuis la compréhension du fonctionnement du code génétique dans les années 60, il n'y a aucun progrès véritable qui mériterait ce nom-là, de nouveaux concepts en biologie. Il n'y a que des gadgets extraordinaires, performants, mais il n'y a que ça. Donc il est un peu logique que ce soit le privé qui se soit emparé de ça. On aperçoit effectivement la disparition des limites à partir de la possibilité matérielle et technique d'accéder à une chose.
Alors ça, c'est tout à fait frappant. Le droit est parfaitement démonstratif de l'avènement au bien, à la notion de bien, donc à la propriété, des choses que l'on peut saisir. Alors, tant qu'on ne pouvait pas saisir les grands fonds marins, on pouvait dire allègrement que c'était des choses communes, etc. Ben, à partir du moment où on a pu les saisir, alors c'est devenu la proie des gens qui avaient intérêt à les exploiter. Alors, il y a eu une certaine réaction, on a dit que c'est un patrimoine commun de l'humanité. Très bien, mais ça ne change rien puisqu'on négocie maintenant les permis d'exploiter. Donc, chaque fois, on déplace la nature des choses pour rendre le bien exploitable. Alors, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, sur l'homme, l'humain, à partir du moment où on a pu dire que le corps humain se cède en tout ou en partie, on est tombé dans des formes plus obscures d'esclavage. Bon, malheureusement, la servitude volontaire, les hommes acceptent. On arrive à faire marcher toute cette usine biologique de transformation de la vie. On arrive à la faire fonctionner, à la rendre acceptable auprès des gens avec l'idée que c'est de la science. C'est pas du tout de la science, c'est que de la technologie. Mais tout ça se fait aussi au nom de la santé, prétendument. Hein, en tout cas, c'est un discours qui est extrêmement puissant dans nos sociétés. Il faut un soutien des populations. Et les gens ont peur d'être malades et de mourir. Donc on leur parle du clone, on leur parle des thérapies géniques. Bon, ça a fait long feu, mais maintenant on invente les thérapies cellulaires. Et donc les cellules embryonnaires, les cellules souches. Et tout ça, ça fonctionne parce que les gens se disent, après tout, c'est extraordinaire. Si on pouvait me greffer un foie, bon. Et c'est comme ça qu'on pose les questions de façon primaire, alors que c'est des choses qui n'ont jamais été démontrées faisables chez l'animal. Autrement dit, on est en train de vendre une idée dont on ne sait pas encore si c'est une bonne idée. Et ça va de plus en plus vite, tout ça. Breveter tous les gènes, pour moi, c'est reconnaître à une personne, enfin une entité, enfin une personne morale, par exemple, ou un chercheur, enfin si c'est lui qui est titulaire du brevet, le pouvoir d'exploiter mes gènes. Bon. Donc la question que je me pose, c'est quelle est la légitimité de ce pouvoir? Bon. Et par ailleurs, quelles sont les limites du pouvoir? Parce que si on a quand même appris quelque chose en politique, c'est que les sources de toutes les tyrannies, c'était les pouvoirs qui étaient sans limite. Je crois qu'on doit considérer avec la plus grande solennité et la plus grande gravité le fait que dans l'artificialisation de la reproduction humaine, les sexes se désolidarisent de leur formidable alliance dans la parentalité. Et je puis vous dire que, à mes yeux, ça fait entendre un craquement bien difficile. Alors, est-ce que les sexes, à travers cette expérience, se cherchent et cherchent à se dire quelque chose? Est-ce qu'il s'agit de haine? Est-ce qu'il s'agit de relations non habitables parce que privées de représentations transmises par la génération précédente qui les rendraient investissables, désirables? Je crois que c'est dans ce climat de compréhension générale, de recherche de signification, de symptômes, qu'on doit chercher à comprendre ce qui se passe et qui semble déjouer toute compréhension. Et il faut bien reconnaître que la science elle-même, dans son ensemble à l'heure actuelle, est emportée par un véritable vent de folie. Une démesure, là, une démesure qui a toujours été là, parce que le processus auquel on assiste est vieux de 5 siècles. Hein. Francis Bacon, au 16e siècle, avait annoncé, en les souhaitant, les transplantations génétiques. Mais ce processus s'accélère actuellement d'une manière telle que là, c'est le temps ou jamais de s'indigner. Parce que ce qui est en cause, finalement, c'est cette puissance extraordinaire qui résulte de la convergence des technologies informatiques et des technobiologies. Donc, les moyens dont disposent les êtres humains actuellement pour agir sur le réel et sur la vie sont sans commune mesure avec ceux qui existaient précédemment, d'où la tentation d'une démesure d'autant plus forte. Je crois que ce qui se passe, c'est d'abord d'une telle violence.
je ne sais pas comment la qualifier. Alors vraiment, les moments, qu'il s'agit d'une attaque à l'affiliation, d'une attaque au masculin, au féminin, à toutes les catégories évidentes qui sont fondatrices pour notre subjectivité. Il s'agit de l'avenir de l'humanité. Alors, je crois que l'attaque est tellement violente qu'elle laisse dans un climat de sidération, parce qu'elle est traumatique.